Bonjour. Nous venons de vérifier, au cours des 7 vidéos précédentes, comment définir si un verbe du premier groupe, terminé par le son « e », s'écrit « ais »,« ait » et accent aigu « es »,« ee » ou « ees ». Cette notion est une des plus difficiles à assimiler en orthographe. N'hésitez pas à vous entraîner à l'aide de ces vidéos jusqu'à ce que l'écriture de ces verbes devienne un réflexe. Comment allons-nous écrire le verbe irriguer lorsqu'il se termine par le son « e » ? Comme précédemment, essayons de le mettre au présent. Si nous pouvons, le verbe est à l'imparfait. Sinon, remplaçons-le par un verbe d'un autre groupe. Si le verbe du groupe troisième ou deuxième est à l'infinitif, le verbe se terminera par « er ». Si le verbe est au participe passé, le verbe « irriguer » se terminera par « e », par « es », par « ee » ou par « ees ». Appliquons la règle du participe passé employée avec l'auxiliaire. J'irriguais les cultures. Pouvons-nous dire « j'irrigue les cultures » ? Oui. Remplaçons par le verbe « voir », nous dirons « je vois les cultures ». Donc, que ce soit le verbe « voir » ou que ce soit le verbe « irriguer », nous pouvons le mettre au présent. Donc, « j'irriguais » est à l'imparfait et j'écrirai « j'irriguais » A-I-S, première personne du singulier. J'ai irrigué les cultures. Est-ce que nous pouvons dire « j'irrigue les cultures » ? Non. Mais nous pouvons dire « j'ai vu les cultures ». Ici, le verbe « voir » est au participe passé, donc j'ai irrigué, irrigué. Et, cherchons le complément d'objet direct, les cultures, ce complément d'objet direct est placé après, par conséquent, le participe passé, employé avec l'auxiliaire « avoir », ici, est invariable. Je vais irriguer les cultures. Pouvons-nous dire « je vais irriguer les cultures » ? Non. Mais si nous remplaçons par le verbe « voir », nous dirons « je vais voir les cultures ». Et là, le verbe « voir » étant à l'infinitif, dans « je vais irriguer les cultures », « irriguer » est aussi à l'infinitif, et j'écrirai « irriguer » « er ». Les cultures que j'ai irriguées. Pouvons-nous dire « les cultures que j'ai irriguées » ? Non. Remplaçons par le verbe « voir », nous dirons « les cultures que j'ai vues ». Donc, nous avons ici affaire à un participe passé. Le verbe « irriguer » va donc s'écrire « ees ». Pourquoi « ees » ? Cherchons le complément d'objet direct. J'ai irrigué quoi ? Les cultures. Les cultures, complément d'objet direct, situé avant le verbe, le participe passé, employé avec l'auxiliaire « avoir », s'accorde avec « culture », féminin pluriel, donc « irriguer » et « es ». Les cultures irriguées poussent mieux que celles qui manquent d'eau. Est-ce que nous pouvons dire les cultures irriguées poussent mieux que celles qui manquent d'eau ? Non. Remplaçons par le verbe voir. Les cultures vues poussent mieux que celles qui manquent d'eau. Là encore, le verbe voir se présente sous la forme d'un participe passé. Par conséquent, nous écrirons les cultures irriguées, E-E-S, puisque le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde avec le nom culture, féminin, pluriel. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.